Bonjour, bonsoir, vous souhaitez faire 24 Chanel par la Candela Car, toute équipe là content de rejoindre nous encore une fois pour présenter une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo côté nous pral, bah, aux réactions président Jovenel Moïse sur le dossier la mort journaliste RSF là qui c'est Pétion Prospeed alias 12. Eh bien, avant nous rentrer dans le détail vidéo, on a une vidéo. Abonnez avec Info 24. Activez la cloche pour recevoir notification sur la prochaine vidéo que vous mettez en ligne. Et si toutefois vous abonnez déjà à la chaîne, invitez vos amis, vos familles, vos autres monde encore abonnez avec nous pour aider nous à avancer et pour aider nous à informer tout. Et bien, je vais te donner dans le commencement de la vidéo à président de la République, Jovenel Moïse, présenter toute sympathie avec la famille victime qui est Pétion Prospeed. Et lui déplore Zach Malhonnête ça qui fait sous journaliste ça. Eh bien, nous allons vite au suivre pour plus de détails. Une fois journaliste la parlé sur antenne RSF, c'est lundi soir, sorti 6 et arrivé 8 heures, dans l'émission Tibat Bouche. Et nous connaissons aider RSF prier, nous disons nous tout merci en pile, et que bon Dieu protège nous, et merci Maxime, merci Ricardo. Allez, au revoir, bonne soirée tout le monde. Bye bye. Yon bye bye, personne ne peut pas dire que voit ça encore. Alias 12, c'est de ça toute média a parlé depuis hier, en pile notre réaction, en pile sympathie, et même président républicain en tweet, les évoquer dossier ça, dossier qui vient pour Zach assassinat sous journaliste Pétion. Oui, on Zach assassinat chef l'État a condamné et livré sympathie le bail collaborateur lié à la famille Prospeed Pétion. On a venu avec l'autre réaction tout à l'heure. Mais qui est-ce qui était Prospeed Pétion, qui parcours professionnel lié en plus émission Tibat Bouche, l'État animé sur Radio Sans Fin, qui l'autre responsabilité Prospeed Pétion était gagné dans RSF. Oui, alors que il est tombé en babal bandit lundi qui s'est passé à l'autre question nous a posé combien petite l'y quitter après Zach assassinat. Ça, élément réponse que Réginald Rémy n'a pas papier. Prospeed Pétion, en pile monde te connaît sous nos 12 balles encore. Badi moun pas arrivé identifier assassiné journaliste là plusieurs balles parmi yo yon na tête. Yon nouvelle qui difficile pour accepter. Yon coup dit pour presse là sans côté famille ak zami défaillant. Dirigeant radio sans fayo, présenté Prospeed Pétion, tant coup colonne vertébrale institution c'est là. Dans RSF, l'été parmi présentateur émission Tibat Bouche, c'est les mêmes qui étaient responsables sécurité radio, mais tout équipement personnel institution. En plus présentation émission Tibat Bouche, travail Prospeed Pat Campela, 12 des responsables blindes dans solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens salcon. Avant job ça, l'été sécurité ancien président Jean-Bertrand Aristide, l'été formé dans le pays Canada, Montréal, l'été travail dans affaires sécurité à l'aéroport, Prospeed Pétion, l'été travail tout. Dans les médias dans New York, ancien journaliste Radio Sans Fayant, Badi Axam Touye Zone Portail Léogan, mori seulement 45 l'année, li marié, lycée papa, trois petits garçons, ancien animateur émission Tibat Bouche sur Radio Sans Fayant. Fayant, t'es fait fond des blancs. 12 yon cerveau, yon journaliste en plus, phénomène et sécurité à poté aller, pendant pile voix dans la société à pas suspendre levé, pour demander qui côté photo journaliste Vladimir le gagnant passé, à qui les j'accroche, Brignol Lindor, Jean-Dominique, Abjoun Justice, Réginald Rémy, Caraïbe FM. Merci Réginald Rémy, j'en note dit tout à l'heure, président République là, Jovenel Moïse, les condamnés, assassinat journaliste RSF là, au speed de Pétion Yonzak, en plus ceux qui viennent s'y mettre de inamitant secteur la presse dans le pays d'Haïti, c'est dans un tweet de chef l'État a profité présenter ses parties, by toute équipe radio sans faire RSF. Pour Reporters sans frontières, sous papa la déplorer situation dangereuse, la presse haïtienne a fait face à Denis Tansayo dans un contexte côté pays. Après qu'on ait un pile manifestation violente d'après Reporters sans frontières. Reporters sans frontières n'a pas caché préoccupation face à l'assassinat journaliste Radio Sans Fin, Prospeed Pétion, sans compter diverses autres journalistes et médias qui subit agression le 10 juin passé. Et autorité haïtienne, nous devons faire lumière sur l'assassinat journaliste là et puis traîner devant la justice tout le monde qui gagnait ou trempé. Nazak Malhonnête, si là, ses déclarations directeur Bureau Amérique Latine pour Reporters sans frontières, Emmanuel Colombier, lui recommandé, gouvernement prend responsabilité pour garantir sécurité tout journaliste qui a couvert les manifestations, aussitôt, dans la situation trouble pays à connaître dernier temps, ça y est.
Il y a une instruction qui est déjà passée pour la police avec la justice l'ouvrir et une enquête pour faire lumière sur le dossier assassinat à journaliste RSF Flan, déclaration secrétaire d'État, communication et dit Jackson Alexis, ancien journaliste là, qui croit crime ça pas doit été impuni, a demandé autorités concernées au prend toute disposition pour stopper marché de la sécurité hein, qui pas suspend six mains d'œil dans mi-temps population hein, et dit Jackson Alexis dans le micro original d'Arémi. Qui colle nous dans le niveau exécutif là, qui traduit par tweet le président, côté les condamnés, sacrivés, les messieurs à trop Dieu, et nous profiter de présenter ces parties, nous avons toute corporation journaliste là, principalement par RSF, Yvner, Isaac Santal, qui était co-dirigé avec aussi Pétion, 11 jeunes médias. Nous souhaitons la justice avec la police, vous présenter rapidement, de façon scélère, pour que, côté des actes à passer, à yon connaître certainement qui est ce monde qui est intervenu dans un tas à faire des exactions. Et même quoi, il n'est pas difficile pour la police avec la justice, aider les populations à gagner lumière sur ce qui a passé, puisque c'est responsable du parquet. C'est responsabilité de CPJ, demandez aux prendre responsabilité. Ça, c'est instruction ça, chef gouvernement, bail, les commissaires gouvernement, directeur général de la police qui lui-même parle avec des CPJ. Les sécurité, autorité, tout de prendre disposition pour freiner climat et sécurité pour nous suspendre contre les cadavres. Pas longtemps ça, Vladimir Le Gagnon est tombé. Jusqu'à présent, tout journaliste a posé une seule question. Qui côté Vladimir Le Gagnon passé? Qui garantit nous-mêmes au niveau de pouvoir nos bails pour Hospice Pétion qui a finalement arrivé jeune justice? Les instances de la justice et de la police qui a travaillé, ou parfois en fait qui a conduit le niveau cabinet de soucis, la dîme de gagner là, il est dans le cabinet de soucis jusqu'à présent. Des prélèvements ont été faits sur des morceaux vêtements, des morceaux et chapeau qui est notre Vladimir. Alors, selon certains indices qui t'assemblent dans le Vladimir, il était très bien guidé à fait pour t'en confirmer. Ça, c'est nos instructions qui ne même pas accès à dossier en bas de ça. Tout le monde peut arrêter tout. C'est la vie que ça a continué. Il n'y a pas aussi de bêtises, il n'y a pas semblé à Vladimir. Vladimir, on a cherché dans l'état là, oui. Pas aussi bêtises. Jusqu'à présent, par Vladimir, c'est une disparition. Donc, il y a deux journalistes qui sont victimes, mais il n'y a pas victimes dans la même circonstance, dans la même condition. Et très probablement, pas bêtises, capable de plus facilité pour le faire. Nous, bah, garantie, Kassal va prêter impuni. Nous, pas ces instructions par la justice. Nous, pas ces instructions par la police, ou que nous faisons travail. Il y a une autre phase qui n'est pas plus le gouvernement. La phase de la justice, sans enquête là, c'est instance indépendante de la justice là. Nous, encourager au même tout, les deux arrivent dans le travail, à de façon célèbre pour la vérité établie. On parlait du cabinet d'instruction. Il y a certainement, c'est vraiment que vous recevez des éléments, dans qu'à consigner nos rapports d'enquête que des CPJ vont l'établir. Voilà, secrétaire d'État communication, Eddie Jackson, Alexis. Association journaliste haïtien au AJH dit au condamné à toute force aux assassinats qui fait sous journaliste à copropriétaire radio sans faire un rouspide de Pétion à attaque qui fait sous radio télé guinéen lundi 10 juin qui sont passés à yon ensemble action d'après secrétaire général AJH Lan qui pas dans ses collègues avec démocratie avec droit à liberté la parole nous t'égoumé pour Lyon Jacques Desrosiers puis loin déploré salrilé passivité autorité, la police avec la justice, dans sa qui gagne pour agent deux dossiers saillots à machine. Dans sa liman des responsables, il prend toute disposition pour y remettre un barcode tout le monde qui est impliqué dans commettre Zach malhonnête contre professionnel la presse ou bien contre médias en général. Jacques Desrosiers, t'as pris pour une question, Johnny Ferdinand. À chaque fois qu'il y a un mouvement politique, bataille politique, c'est un prix. Il y a un secteur qui est toujours visé, c'est la presse. Encore une fois, il y a enregistré des journalistes qui attaquaient, médias qui attaquaient et assassinaient un journaliste. J'ai dénoncé à toute force des appareils, contraire à la démocratie, qui contraire à la liberté d'expression, contraire à la liberté de la parole et la liberté d'opinion. J'ai dénoncé Jacques Sayo qui était intolérant de côté acteur qui en conflit. C'est vrai que la justice a été une bague à montrer capacité de faire lumière sur le cas journaliste qui est assassiné. C'est vrai, la police n'a jamais montré capacité pour faire bonne enquête sur le journaliste qui disparaît. On a cité le dernier cas, Vladimir Le Gagnon.
Mais ça n'a pas empêché que nous-mêmes dans la presse, nous-mêmes dans l'association journaliste, nous étions croyants dans la volonté, dans la capacité pour faire avancer l'enquête, pour permettre qu'il y ait une lumière sur l'assassinat qui fait qu'il y a rien soir. Mais je veux dire que dans les circonstances, AJH a un message particulier à l'endroit du professionnel de la presse. Et nous, c'est continuer à faire travail, pas laisser l'intimité. C'est le moment que je suis sur les tablettes, pour être vraiment dur, puis on parle sur l'intimité, puis on continue à faire travail avec les professionnels. Voilà, Jacques Desrosiers, secrétaire général AJH, gagné Association nationale, journaliste professionnel, UANJP, qui déplorait puis condamné à toute force les actes malhonnêtes, ça, qui mettait le secteur presse-là en deuil. Dans le point de presse, secrétaire général Association, Journal François Baye Ayer, lui demandait pour lumière faite sous actes assassinat et ça, qui fait sous journaliste-là, et puis demandait droit mon doit tout journaliste à la ronde Badet arriver à respecter. Donc, on écoute déclaration Joannel François. Association nationale des journalistes professionnels dénoncé avec toute force nous, ensemble, machine répression, machine insécurité, hein, qui, fois ça, attaqué avec la presse qui s'est yon rempart que aucun monde n'a pas passé sous les n'importe comment en dans société. Hein. La presse qui s'est quatrième pouvoir de fait qui vient dans société, hein, qui était jusqu'à présent salier en dépit de toute sa yotaka gagné comme reproche sous lui, mais la presse pas dû attaquer dans aucun pays qui a fait promotion pour la démocratie. C'est peut-être ça, n'a demandé avec la justice, la police, pour yon diligenter une enquête, pour yon connaître vrai coupable qui arrivait et mettait fin dans la vie confrère nous au speed pétition journaliste et RSF. Nous dénoncer également manipulation et machination qui a fait sous la mort au speed pétition. Des mounes pour une raison pour l'autre qui a essayé de détourner attention population sous assassin, sous criminel qui a mis fin dans la vie et au speed pétition. Nous gagnons information. Côté au speed pétition, t'es même dénoncé des mounes qui accrochaient avec pouvoir, qui étaient déjà à faire des menaces, de demander à la justice, puis ça, ils sont capables de suivre. Est-ce que Ospit Pétion tombé dans le cadre de l'insécurité généralisée? Est-ce que Ospit Pétion, c'était un monde qui était ciblé? Même quand c'est à une insécurité généralisée, la justice avec la police, il y a tout devoir pour être capable de faire lumière sur question ça. Et si c'est à une insécurité ciblée, c'est plus grave encore. C'est peut-être ça qu'on a demandé avec administration et Jovenel Moïse, pour l'instant qui est dans l'impasse, pour joindre monde qui fait ça. Nous apprendre gagner des monde qui dit que yo t'a déjà arrêté des monde. Ça t'a étonné nous. Si yo t'a déjà arrêté monde qui t'a tué au Smith Pétion. Raison, dans situation nous est là jodi là. Pouvoir gain pour mission ou bien dit les autorités constituées. Yo gain pour mission pour yo protéger des secteurs clés. Tant pour la presse, peu importe ça la presse a dit, il y a des permissions pour le protéger. Et ça fait tout demander avec la population. Pendant qu'il a manifesté, il faut que respecter la presse qui a fait un travail, en dépit du fait que nous connaissons les risques, mais nous demander à ce que la justice, la police, les autorités concernées constituées jouent une réponse pressée, puisque nous connaissons tout pouvoir qui a déraillé, tout pouvoir qui a déchaîné, nous toujours une tendance pour attaquer des mondes qui a baillé la parole à tout le monde. Donc nous consternés et nous demander à ce que la justice capable dit n'a causé ça, puisque nous songeons déjà, l'histoire est en trop longue par rapport avec journalistes qui tombaient dans des conjonctures politiques assez difficiles. Nous n'avons qu'à prendre Jean-Dominique, nous n'avons qu'à prendre Jacques Roche, nous n'avons qu'à prendre Brignol Lindor, pour ne citer ça ou seulement. C'est des mondes qui tombaient dans des situations côté climat sociopolitique là dégradé. Donc, ça t'a doué dernier monde qui mourit dans le secteur la presse, ça t'a doué dernier goutte d'eau qui fait des bords d'évasion, ça t'a doué, je dis t'a doué parce que on a tellement de doutes sur nos institutions. Donc, la presse pas qu'à cible des malfrats politiciens ou bien des mondes qui, sans foi ni loi, pour une raison motivée ou l'autre, attaquer la presse. 4 monde mourir, plus passé une dizaine d'autres blessés à Kbal, manifestation 9 à 10 juin, passé pour réclamer départ président Jovenel Moïse à réalisation et un procès sans passe pour qui dans le dossier Petro-Caribéa, t'égué en pile violence d'après organisation Kap défend droit mounion.
Oui, et puis il y a ensemble organisation Sénayo, Pamio, Kodan, RNDDS, Sigilap, Karka, qui longe l'ouette sur la police et la préo, qui l'a tiré sous manifestant, et puis utilisé gaz lacrymogène sans besoin. Dans ce sens, défenseur droit Mounio Mandé, inspection générale, l'ouvrir une enquête pour y aller, eh ben, joindre policier complice tué, et puis voyez devant la justice pour suite nécessaire. Ouais, puis loin, organisation qui a défendu droit Mounio Guerrier, dénoncé assassinat, journaliste RSF Lan, attaque contre radio Télé Guinée lundi qui se passait à Maître Gédéon Jean, c'est directeur exécutif sans analyse à recherche droit monde l'était parlé dans le micro Johnny Ferdinand. La plupart du monde a eu tiré dans la tête. Ou bien nous constatons aussi des brutalités policières, côté qu'on gagne ensemble d'agents, notamment de l'Igno, qui a monde qui a même avec Roche, et non loin de la résidence du président de la République, avec Roche, qui a exécuté un simple citoyen. Donc ça, c'est un comportement qui n'a pas fait honneur à l'institution, mais qui révolte de la conscience universelle. Donc lorsqu'il y a aussi des tirs à hauteur d'homme, côté que il y a des agents, notamment des l'UTMO, de l'IGPN, capturés en direction du manifestant, côté que dans pile monde, bien près de 15 ans jusqu'à présent, nous constatons qu'il blessait gravement, et dans pile monde, ça, il prend balle de des côtés, vraiment, c'est mon mieux qui risquait pour mourir. On a dénoncé aussi le comportement du responsable de l'unité de sécurité générale du cadre national, M. Dimitri Erard, qui tire en direction de l'ensemble des citoyens, des manifestants, côté que M. Atem Petit Pémoun, ouais, par balle. Et nous dénoncé aussi l'usage abusif qui fait du gaz lacrymogène, parce qu'ils sont pratiques pour la police de Gouniara. Depuis qu'ils tirent en roche, ils ont tiré par gaz lacrymogène, et souvent, ça a porté à tête à des enfants, des femmes enceintes, et d'autres livrants. C'est-à-dire la police par contrôler un essai, utiliser les gaz lacrymogènes, etc. pour disperser une manifestation. Donc nous pensons que ça, c'est la règle que nous dénonçons et nous demandons, je veux dire, il faut que l'inspection générale de la PNH fasse son travail, parce que normalement, nous conseillons l'inspection générale, comme on te dit, la police des polices, ça veut dire, je veux dire, au monde, un policier qui est impliqué dans le cas de qui a un comportement qui n'est pas conforme au règlement, au principe de gestion de l'institution, le fonctionnement même de l'institution, mais faut que les policiers savent, l'inspection générale, quel que soit le grade, quel que soit le monde qui débute, ça, c'est l'inspection générale. Mais il y a aussi la direction générale de la PNH qui nous fait travailler. Parce que si la direction générale de la PNH, c'est le plus haut commandement de l'institution, comment qu'un non-police ou gagne un GPN qui est au commandement par lui, ou gagne un CATIM, ou gagne toute unité ça, USP, qui gagne propre commandement par eux, propre commandant par eux. Ça, c'est la direction générale de la PNH qui doit prendre position sur ça. Et par ailleurs, l'organisation de l'OMONDO nous condamne à toute force, un assassinat qui fait hier sous journaliste et copropriétaire de radio sans fin, Pétion Rospit. Donc ça encore, son arrêt que nous n'avons pas d'accord. Donc je veux dire, c'est pas seulement des manifestants que monsieur a tué, je veux dire, ou bien des journalistes, des propriétaires de médias qui ciblent. Donc ça, son arrêt, nous pas capable de jouer sous ça. Mais que d'autres journalistes, tels que le journaliste Leslie Dorsin, du quotidien Le Nouvelliste, qui ne soient attaqués, qui recevront un bal caoutchouc, ou gagner également les radios Télé-Guinée, ils ont attaqué le matériel de Radio-Guinée. Ils ont brûlé près de 3-4 machines de radio et Télé-Guinée. Ou bien des journalistes de Radio-Télé-Génie FM, que ils ont gagné un viseur, ils ont apprécié des menaces, dont le journaliste est Morin. Donc ça veut dire que c'est des bagages, nous-mêmes, nous pensons qu'il faut que nous campions pour nous dénoncer. Donc je vous dis, hein, votre responsabilité est assumée, bah, d'accord, côté que gagner, on sait du monde qui prend l'État en otage. Côté que gagner du monde qui a consolidé la grande corruption dans la société, côté que toute population dit non. Donc je vous dis, hein, tout le monde, tout haïtien, chaque haïtien, ouais, toute structure dans la société, hein, qui a mobilisé autour de la réalisation du projet Petro-Caribé, bon, c'est que faut que nous mettions ensemble pour dénoncer ensemble des bagages à eux et pour nous accompagner la population dans la bataille que nous avons fait. Donc nous encourager la population à continuer à manifester parce que ça fait partie des droits fondamentaux. Dire, c'est pas seulement la manifestation, mais il faut regarder la finalité même de cette série de mobilisations.